Voilà. Madame. Par ici, docteur. Elle se plaignait de fatigue. Et ce matin, elle a été prise de maux de tête et de vomissements. La pauvre était bouillante. Je lui ai fait boire de l'eau de gomme bien fraîche. Et je lui ai posé deux cataplasmes camphrés au pied. Camille, ma pauvre enfant. Ah, c'est ce que je craignais, madame, la petite vérole. Mon Dieu, mon Dieu. La fièvre est tombée. As-tu encore mal à la tête, petite? Moi, monsieur. Bien. Tout d'abord, il faut isoler cet enfant. Aucun contact extérieur pendant 15 jours. Continuez à la faire boire régulièrement et renouveler les cataplasmes toutes les 5 heures. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu veux attraper la maladie de ton ami? Eh bien, Sophie, tu as entendu le docteur? Vous lui donnerez 2 comprimés, matin et soir. Vous croyez que Camille va mourir? Pourquoi tu dis ça, méchante? Pauvre Camille, elle a une maladie grave, il n'y a rien de méchant à le dire. Quand on aime ses amis, on ne pense pas à les voir mourir. Qu'est-ce que vous savez de la mort? Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Moi, oui, je l'ai vu. Mes enfants! Écoutez bien le docteur. Personne ne doit entrer dans cette chambre ni approcher la malade. Elle est extrêmement contagieuse. Vous m'avez bien compris? Oui, monsieur. Toi aussi, Sophie. Mais qui va apporter à manger à Camille et s'occuper d'elle si personne ne peut entrer dans sa chambre? Enfin, soyez raisonnable, Elisa. Vous avez entendu le docteur. Jamais, madame. Jamais je n'abandonnerai ma pauvre enfant malade. Je ne veux pas que tu tombes malade à cause de moi, Elisa. Ta, voulez-vous bien vous taire, hein? Si vous continuez à vous agiter, le mal de tête va revenir. Je vais m'installer à un lit de camp dans l'antichambre et j'y resterai jusqu'à la guérison de Camille. Puisque vous êtes si dévouée, Elisa, et si entêtée, c'est bon, nous vous relayerons. Merci, madame. Des nougats. Quelques belles poires du verger. Et des brioches. Camille adore les brioches. Papa, mon pauvre papa. Je n'ai même pas eu le droit de m'occuper de toi. Sophie? Sophie! Hein? Quoi? Tu pourrais nous aider tout de même. Camille est malade et toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Ta. Le docteur a dit un bol de bouillon maigre, 2 doigts de compote et c'est tout. Tu vois, Marguerite, ça ne sert à rien de faire semblant d'aider. Égoïste! Oh, vous n'allez tout de même pas vous disputer pendant que ma petite malade est si courageuse. Madame sans cœur. Marguerite, ça suffit maintenant. Écrivons plutôt toutes les 3 une lettre à Camille pour lui dire que nous pensons bien à elle. Ah oui, écrivons-lui. Ne comptez pas sur Madame sans cœur. Nous arrosons tes fleurs pour que tu les retrouves bien grandes quand tu seras guérie. Le jardinier dit que nous allons les noyer, mais ne t'inquiète pas, elles sont vraiment magnifiques. 1000 tendres baisers, tu nous manques, signé Madeleine et Marguerite. Oh, Sophie n'a pas écrit avec elle? Entrez. Ah, c'est toi. Que veux-tu? Sophie, Camille est triste que tu ne lui aies pas écrit. Veux-tu signer cette nouvelle lettre avec nous? Pour lui montrer que tu penses à elle, ça l'aidera à guérir. Je n'ai pas besoin de vous pour dire à Camille que je pense à elle. Laisse-moi. Ma petite malade a bien dormi?
Tiens. Oh. Cela va mieux ce matin, on dirait. Oui, ça va mieux. C'est à cause du dessin que tu m'as apporté pendant que je dormais. Quel dessin ? Le dessin de Sophie. Pour que ce train emmène Camille loin de sa chambre de malade. Signé sa presque petite sœur. Sophie. Mais je n'ai rien apporté du tout. Sophie est entrée ici cette nuit. Madame ! Madame ! Je voulais faire plaisir à Camille et lui changer les idées. Tu avais pourtant bien entendu ce qu'a dit le docteur. Mais je ne l'ai pas touché, madame. J'ai fait très attention de... Mon Dieu, qui sait si tu n'as pas attrapé cette affreuse maladie ? Bien. En une semaine, ces méchants points rouges ont presque disparu. Et Sophie ? Madame dit qu'elle est maintenant hors de danger. D'ailleurs, elle a tenu à vous écrire une lettre avec Madeleine et Marguerite. Je me réjouis de pouvoir bientôt les embrasser. Mais... Qu'as-tu, Elisa ? Tu es toute blanche ? Tes mains sont brûlantes ? Ce n'est rien. Une vilaine migraine qui m'a réveillée cette nuit. Elisa ! Elisa ! Maman ! Maman, venez vite ! Elisa s'est évanouie, elle est malade ! Et si jamais la fièvre persiste, n'hésitez pas à me faire appeler, au revoir. C'est en me soignant qu'elle est devenue malade, maman. Il est juste que je la soigne à mon tour. Mais tu as besoin de repos, mon enfant. Le médecin a dit que je ne pouvais pas attraper la maladie une seconde fois. Je suis la seule à pouvoir soigner Elisa sans danger. Vous êtes vraiment trop bonne, mademoiselle Camille. Ne parle pas, Elisa. Ne t'agite pas, ma pauvre. Je suis là. Te reposer, Camille, et sortir un peu. Ce n'est pas bon de ne respirer que le mauvais air d'une chambre de malade. Miguel, c'est que le sifflet du train fait tourner le lait des vaches. Et que la vapeur empêche les pommes de terre de pousser. Tout ça, c'est des racontars. Mais il est vrai que la vitesse, ça fait pousser les cheveux. Racontars, racontars. Chou-chou. Elisa va mieux. Elle recommence à donner des conseils. Alors elle est guérie. Chou. Mais que faites-vous donc là ? Sophie est sortie d'affaires. Camille est guérie. Elisa va mieux. Il est temps d'organiser une sortie. Oh oui, madame. Pourquoi est-ce que nous ne faisons jamais de promenade à ânes ? Des ânes, pourquoi pas ? Je vais demander à Nicaise s'il peut trouver dans le voisinage 5 ânes bien dociles. Ils sont là, ils sont là. Oh, comme ils sont beaux. Celui-ci est trop petit. Celui-là aussi. Ce grand-là ne me dit rien qui vaille. Toi, tu m'as l'air bien par ici. Que tu es beau, toi. Tu es le meilleur. Je te garde pour moi. Choisissez vos ânes, les enfants. Commençons par la plus jeune. Marguerite, lequel veux-tu ? Ça m'est égal, madame. Celui que vous voudrez. Je te conseille un des deux petits. L'autre sera pour Sophie. Ils sont excellents. J'en ai déjà pris un, madame. Le gris clair. Je te trouve bien pressée de choisir celui que tu crois le meilleur, Sophie. Ce n'est pas très aimable pour tes amis. Mais je... Pardonnez-moi, madame. Si quelqu'un veut mon âne, je suis prête à échanger. Mais pour moi, maman, celui-là m'ira très bien. Si celui-ci convient à Camille, bien sûr. Au galop, Au galop,
Vous m'aviez demandé, mademoiselle Sophie. Je vous l'aurais dit, moi, que ce bourri était un gros fainéant. Ah tiens, ces demoiselles n'ont pas eu la patience de vous attendre. Faut pas vous chagriner pour ça, mademoiselle Sophie. Mademoiselle Camille vous donnera le sien pour le retour. Tiens, les voilà. J'ai faim. Moi aussi, j'ai trop couru. Et Tori, dommage que tu n'aies pas été là, Sophie. Nous avons ramassé des framboises et cueilli des fleurs pour Elisa. Regarde, regarde. Ton âne ne voulait pas galoper, ma pauvre Sophie. Si tu veux, je te passerai le mien pour le retour, pour que tu puisses profiter de la promenade. Inutile. Mon âne me convient parfaitement. Et je suis très satisfaite comme ça. Quel bon pique-nique. Merci, Nikaz. La tarte de Rosalie était délicieuse. Et c'est si agréable de respirer du bon air. Mais c'est mon âne, Nikaz. Ah ben, vous prendrez le noir, mademoiselle Sophie. Il est trop fatigué par les paniers. Vous lui serez plus légère. Pour le retour, il pourra vous mener pour le train, celui-là. Allez. C'est bien fait pour moi. J'ai été bête et égoïste en choisissant mon âne. La prochaine fois, je réfléchirai un peu plus. C'est l'heure du dîner d'Elisa. La pauvre va croire que je l'ai abandonnée. Allez, oui! Allez, oui! Vous me dorlotez trop, ma petite infirmière. Si ça continue, je vais finir par me prendre pour une grande dame. Tu m'as soignée avec tant de dévouement. Sans toi, je serais peut-être morte, Elisa. Mon Dieu, voulez-vous bien vous taire? Une lettre de Paris, maman. Merci. Vos cousins arrivent samedi pour les vacances. Vraiment? Jean et Léon arrivent samedi. Jean et Léon arrivent samedi. Veux-tu bien t'étendre, Elisa? Oh, je tourne boule, moi, là-dedans. Si ça continue, je vais finir par devenir chèvre. Jusqu'à samedi, tu n'as pas le droit de sortir. Mais qu'est-ce qui se passe au château? Au château? Oui. Tout ce remue-ménage. Et ces coups de marteau. Quel coup? C'est dans ta tête, Elisa. Tu as encore besoin de repos. Il ne se passe rien du tout. Donne-la-moi ou je t'étrangle. Approche et tu recevras un coup de bâton, mauvaise fille. Hein? Ah! Madeleine, Sophie, vous n'avez pas honte de vous battre comme des chiffonniers? Si madame vous voyait. D'abord, tu n'as pas le droit de sortir de ta chambre, Elisa. Ensuite, tu vas nous donner ta maladie. Mais enfin, Camille. Madeleine a raison. Le médecin a dit que tu étais encore contagieuse jusqu'à demain. C'est un jeu, Elisa. Madeleine et Sophie plaisantent. Allez. Un jeu? Un vilain jeu. Allez, 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 recouche-toi. Tu vas prendre froid. On reprend. Où j'en étais? Je vais t'étriper, cannibale. Ah oui. Ah, je oh vais t'étriper, cannibale. Ne ris pas, Sophie. Et toi, Madeleine, essaye d'avoir l'air beaucoup plus cruel. Comment voulez-vous que les spectateurs y croient? Elisa la cruelle. Camille, vous n'avez pas vu ma robe? Quelle robe? Ma robe. Je l'ai posée au dos de cette chaise hier soir. Ne te tracasse pas pour une vieille robe, Elisa. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Je reprends mon service aujourd'hui, figurez-vous. Vos cousins arrivent bientôt et on compte sur moi. Tu n'es pas encore habillée, Elisa? Heureusement, nous venons t'aider. Rendez-moi seulement ma robe et je saurai m'habiller toute seule.
La voilà. Assez de raillerie. C'est bien trop beau. On se moquerait de moi, je ressemblerais à Madame Ficini. Allons. Sophie fait partie de la famille maintenant. On a dit qu'on ne parlerait plus de son horrible belle-mère. Allez, baisse-toi. Sophie, aide-moi. C'est un cadeau de maman pour te remercier de m'avoir si bien soignée. Vraiment ? Elle est belle. Madame est très généreuse. Bien, à présent, je vais ôter ces belles affaires. Je les garderai pour la première occasion. Mais non, Elisa. Il faut que tu restes toute la journée habillée comme tu es. Pourquoi faire ? Tu verras bien. Mais je n'oserai jamais me montrer. Tu n'as pas le choix. Nous ne te rendrons pas ta vieille robe. Les cousins ! Mais enfin ! Bienvenue, mes amis. Votre voyage a-t-il été bon ? Excellent. Mais je ne suis pas fâché d'être arrivé. Ces chemins de campagne m'ont brisé les reins. Comme tu as grandi, Léon ! Sophie ! Bonjour, Sophie. Bonjour, Jean. Pourquoi n'approchais-tu pas ? Je ne voulais pas déranger ces retrouvailles familiales. J'avais peur que tu ne sois pas là, Sophie. Alors, tu te souviens encore de la pauvre orpheline ? Voyons, Sophie, ne parle pas comme ça. Tu sais bien que tu es comme notre sœur. C'est vrai. Alors, nous sommes tes frères. Mes chères sœurs, n'y aurait-il pas dans cette campagne reculée un petit quignon de pain pour votre frère affamé ? Eh bien, vous n'invitez pas vos cousins à votre surprise ? Le spectacle auquel vous allez assister est dédié à quelqu'un que tous vous appréciez. Dévouée, courageuse, modeste, sans égale, elle se tient cachée tout au fond de la salle. Vous la reconnaîtrez malgré ses falbalas et vous applaudirez notre chère Elisa. Premier tableau. Bonheur dans les îles. Bravo, bravo. Deuxième tableau. La séparation. Ma chère Elisa, mes affaires m'appellent à Paris. Adieu, je te confie mes chers enfants. Soigne-les bien, Elisa. J'en réponds sur ma vie, monsieur. Voici quelques pièces d'or au cas où il m'arriverait malheur. Adieu. J'ai comme un pressentiment. Troisième tableau, le drame. Donne-moi les enfants ou je t'étrangle. Approche seulement, cannibale. Et tu recevras un coup de ce bâton. C'était donc ça. Les enfants ont disparu. Malheur, enfer et damnation. C'est très bien. Épatant. Une petite pièce, mon bon monsieur, ça vous portera bonheur. Hélas, ne me parlez plus de bonheur.
Mes pauvres enfants ont été enlevés et tués par des cannibales. Mais c'était vous, monsieur Elisa. Et voici vos enfants. Mes enfants, comme vous avez grandi. Hélas, j'ai perdu toute ma fortune dans un naufrage. Je suis pauvre. Non, vous êtes riche. Mon or. Nous sommes sauvés grâce à vous, Elisa. Merci. Comme à l'Elisa de l'histoire, qui aux enfants se dévoit, nous voulons aussi rendre gloire avec vous à notre Elisa. Bravo, bravo, bravo. Vous voilà fort élégante, mademoiselle Elisa. Oh, vous savez, c'est une robe qu'on m'a prêtée. Où est Sophie? Vous ne trouvez pas qu'elle a bien joué mon rôle? Ah, oui. Malheur, enfer et damnation. Ha! Sophie, je te nomme meilleure comédienne de Fleurville et de toute la campagne environnante. Tu as été formidable, Sophie, comme toujours. Mais je te reconnais dans mes bras, mon enfant. Ha 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 ha